Salut, donc j'espère que vous allez bien. Là je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais filmer mon anniversaire. Donc là en fait c'est pas du tout mon anniversaire encore, c'est demain mon anniversaire. Sauf que ma famille d'accueil veut me faire un truc ce soir. En gros c'est une surprise. Je sais pas ce que c'est, parce que demain soir en fait lundi on a cours. Du coup c'est mieux de faire samedi soir, bref voilà. Du coup là on est samedi. Et du coup là on va bientôt partir, je me suis préparée, j'ai mis ma petite couronne. Du coup on attend notre mère d'accueil et toute la famille, on va je ne sais où, c'est une surprise. Avant que ça commence, je vous mets des vidéos de hier soir on est allé en soirée avec ma roommate belge. Oh maman, c'est trop bien. Du coup je vous mettrai des petites vidéos. On est dans un supermarché, je sais pas ce qu'on fait. Je crois qu'on va chercher un gâteau, mais je suis pas sûre. This is for dessert later. So, okay. It's okay if I didn't have to make her own food. Ok, donc en fait, ils sont en train d'acheter un gâteau et plein d'autres trucs. Okay. En plein carreau. En fait, ils essayent d'acheter des trucs français, c'est trop mignon. Je vais faire la vidéo YouTube. Mine is chocolate, and you? So good. Yeah. What is it? Mocha? What? I don't know. The best? Mama? It's so These good. These are meringues, right? No, no, the meringues are the hard ones. These are macarons. Macaron. Okay. Mushroom. It tastes a little like fruit, but fruit? I don't know, yes. Okay. I don't know what fruit is. It's good? And you, Méline? What? What is your taste? I don't know. But it's good? I like it. Donc là, on est dans la voiture. Et elle a dit, ce soir, c'est expérience culturelle. J'ai un peu peur. Pour l'instant, il n'y a personne qui veut nous voir dans le magasin par rapport à ma couronne. Donc, on va voir s'il y a des gens qui viennent me voir. Voilà. On est sorti de Santa Barbara. Oh my gosh, oh my gosh. Oh. T'inquiète, vas-y. Super bad. Okay, golf. Et là on va au dîner manger.
Donc voilà, c'était trop cool. On va manger. Où? Je sais pas du tout. Mais voilà, c'est trop cool. Du coup, on est arrivé au truc de sushi. C'est mon truc préféré. Ouais, il nous a envoyé un truc. Thank you. Et bah, du coup, c'est ma nourriture favorite. Donc, du coup, bah, ils m'ont amené là pour mon anniversaire. Et là, on est dans le sushi. Ça a l'air magnifique. Avec son copain, ils sont rentrés. Non mais elle a l'air très très sad de sa journée d'anniversaire. Donc on va mettre un peu de piment. C'était trop bien, hein. Première fois qu'on faisait du mini golf, hein, c'était génial. C'est juste que je suis fatiguée en fait. Mais oui, le mini golf c'était grave bien. On s'est grave amusé. Voilà, même si on était nuls. Nul, on était nul. On était c'est pas vrai, nul. Elle est très négative cette fille. Arrête, on était nul. Ouais. On, mais mettait, bon. On mettait plus de 6 fois pour mettre la boule dans le trou. C'est vrai en plus. Après, nous sommes allés au restaurant. C'était Pepito. Genre, c'était trop bon. Attendez, faut que j'explique. La famille Nagoy, c'est compliqué. Elle a pas dit que genre c'était mon anniversaire, mais genre ils sont quand même venus avec une banderole de fleurs et une bougie sur une glace et ils m'ont chanté bon anniversaire le restaurant. Du coup là c'est très mignon. Après ils nous ont pris en photo et après genre ils m'ont donné la photo que vous avez prise. Voilà, c'était mignon, hein. Ouais. Ici j'ai pas encore 19 ans parce que ben il est même pas le 27. Mais en France, j'ai déjà 19 ans, le décalage horaire, voilà. Et demain, bah, on continue. J'ai l'impression que je fais mon anniversaire depuis 3 jours. Bref, je vous dis à bientôt. Sauf si dans 10 minutes, on se dit, ben, on se bourre la gueule. Mais voilà, on verra. Pourquoi pas? Bisous maman, bisous papa. Désolée maman, désolée papa. Moi et tous. Bisous. Coucou.
coup, donc maintenant on est dimanche. Là, c'est vraiment mon anniversaire. Du coup, on s'est préparé le réveil. C'était un peu compliqué, je vous avoue. On a tous bu un petit café, ça nous a... Et du coup là on va prendre le bus, on va aller dans Santa Barbara manger et après on va voir ce qu'on va faire. J'ai envie de faire du shopping, j'ai envie d'acheter plein de trucs là. Donc voilà. Et j'ai mis la petite couronne qu'ils m'ont donnée hier au restaurant. La petite couronne, oui c'est une couronne ça aussi. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Et ma couronne de mes potes. Premier happy birthday d'un inconnu, c'est le chauffeur. Voilà. Du coup on est arrivé de bus, on attend ma pote et Yomina était allée aux toilettes et on était là à attendre et ils ont mis la musique Happy Birthday. C'est un peu gênant mais voilà, c'est mignon. De manger une frangipane. Une frangipane, les gars. Pas du tout une frangipane, déjà. Mais si, c'est une frangipane. Non. Bah, t'avais ça comment, toi? Une galette d'Europe. Oui, bah, pour moi, c'est une frangipane. Genre, aux USA. Et elle m'a acheté un autre gâteau. Et il y avait Happy Birthday. Voilà. Et après, il y a du coca au caramel. Voilà. It's good. Toi, t'aimes? Salut. Du coup, ça fait un petit moment que mon anniversaire est passé, mais je suis en train de faire le montage de cette vidéo. Et en fait, il n'y avait pas de conclusion, il n'y avait pas de vidéo de conclusion. Du coup, je voulais en faire une. J'ai été choquée par tout ce qu'ils ont fait, ma famille d'accueil, genre tout ce qu'ils ont payé, mini golf, le resto et tout. C'était un resto de ouf quand même. Du coup, voilà. Ils m'ont offert une petite carte avec chacun un petit mot. Trop mignon. Du coup, j'ai passé un très très bon week-end d'anniversaire. C'était incroyable. Franchement, avoir une famille d'accueil comme ça, c'est une famille en or. Je les aime trop. Dans la vidéo, j'ai l'air dépitée. Mais c'est juste que genre, j'étais fatiguée. J'ai été allée en soirée vendredi soir et tout. Et genre, je réalisais pas ce qui m'arrivait. Mais j'étais hyper contente. Je les ai remerciés bien évidemment, mais bon je pense que je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait parce que genre ils me connaissaient pas il y a 8 mois auparavant et c'est dingue tout ce qu'ils ont fait pour une fille qu'ils connaissent depuis 7 mois quoi, 7-8 mois, c'est incroyable. Et je rentre dans 3 mois, donc dans 2 mois et 15 jours à peu près, donc bon c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Du coup voilà, c'est pour conclure cette vidéo. Je ressens vraiment rien. C'est dimanche. Du coup, c'est journée chill, vous voyez. Je vous retrouve pour une autre vidéo prochainement. Voilà, bisous.